Salut Mam, ça va? Ça va mon fils, t'as passé une bonne journée? Ouais, ça va, à part que je suis hyper à la bourre là. J'ai des révisions à faire, j'ai même pas terminé et j'ai l'anniversaire de Manu à préparer et je sais même pas par où commencer. T'inquiète pas mon fils, ça va aller, c'est bon, t'angoisse pas, c'est facile. Allez, c'est parti pour les maths. Allô Mika? Oui, l'office de Minra? Non, j'ai pas oublié. Ouais, j'arrive dans 10 minutes. Ok. Allez, au boulot. Allô? Oui, bonjour. La confirmation pour le restaurant? Oui, je vais vous donner le nom des invités. Je finis la liste et je vous rappelle. Bon, je verrai ça plus tard. Oh punaise, le cadeau d'anniversaire de Manu. J'ai oublié. Bon, allez, je vais faire un peu d'écho là. Ça va David, t'as bien avancé dans tes révisions? Non, pas du tout. J'ai trop de choses dans la tête, j'arrive pas à avancer. L'ordre et l'organisation permettent d'être efficaces, même en situation de stress. Pour atteindre vos objectifs, fixez-vous un programme du jour en 5 points. Salut maman, je vais à la prière. Yes! J'ai même le temps de faire un kiff. C'est en planifiant chaque chose que l'on gagne en efficacité et en sérénité.